À chaque fois, meuf, tu m'emmènes dans tes bails de l'enfer. Et à chaque explo, je me dis, Plus c'est bon, jamais. c'était la dernière, I did my job. À chaque fois, tu arrives à pousser le bouchon encore un peu plus loin. La reine de la gratte, on l'appelle. C'est exactement Cette ça. meuf C'est gratte jusqu'à totalement. l'infini. Qui conduit en plus pour y aller? La meuf, je l'amène dans sa baraque de l'enfer. C'est l'enfer qui est proche. Bon, j'ai hâte. Non. Fais gaffe avec ta lampe torche pour les voisins. Ok. C'est là, je pense que c'est ici. Ouais, c'est ici. Non, mais meuf, c'est pas du tout une maison creepy de dingue. Elle est immense à l'intérieur. Meuf, la porte est ouverte. C'est que mon Dieu. Bon allez, c'est parti. Mais meuf, attends 2 secondes, attends. Juste 2 secondes les gars. La porte est ouverte, meuf. Peut-être qu'en fait, il y a juste des gens dedans, tu vois. Ben on verra. La meuf veut quand même faire son intro au cas où, tu vois. Au lieu de d'abord demander s'il y a quelqu'un. Allez, fais ton on verra. Intro on de fait, merde. Je fais mon intro comme ça, c'est fait. Et puis après, hein, putain, ça me stresse que la porte soit ouverte derrière moi. Et c'est parti pour un nouvel épisode de Silent Jill. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait plus fait d'épisode. Un tout nouveau avec Gaëlle pour cette nouvelle saison qui vient de démarrer. Elle avait hâte d'être ici ce soir. C'est pas du tout vrai. Elle déteste venir avec moi en exploration. Ce soir, je lui ai choisi un endroit de bâtard. Les gars, j'ai déniché une ancienne maison où les habitants, une famille qui habitait ici, est partie du jour au lendemain. Et quand la police est venue faire les fouilles pour voir où était la famille, la seule chose qu'ils ont retrouvée, des traces de sang, signes sataniques sur les murs et sur le sol. Donc voilà, pour cette nouvelle saison, du lourd qui arrive. Et je pense du que lourd, ça va la être... meuf est schizo. Non mais en plus, c'est juste que la meuf assume pas du tout une fois qu'elle est dedans. Non. C'est ça le problème. Laissez-moi me rappeler. Bon allez, c'est parti, suivez-nous. On commence tout de suite. Demande d'abord s'il y a quelqu'un. Hein. T'as pas une lampe torche là? Attends, j'en ai. Si, j'en ai une dans mon sac, je vais la prendre après. Frère, je veux pas, tu vois. Pour l'instant, j'aurais fait noir, noir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait une exploration dans la maison? C'est l'enfer, oh, putain, c'est on verra ça après. Putain, c'était bien voir, mec. C'est le nard de film d'horreur. Frère, regarde. Wesh. Mmh. Ah oui. Putain, c'est horrible. C'est vraiment l'enfer. Qu'est-ce que c'est que ce lieu, film? Putain, Conjuring, frère. Le summum du mauvais goût, frère. Normalement, d'après le gars qui m'a donné les infos sur la maison, t'as encore des endroits où t'as des signes au sol et tout. Ah, meuf, y'a plein de sang. Mais je t'avais dit, hein, ils ont retrouvé genre plein de sang d'animaux un peu partout. Mais meuf, c'est pas possible, ça, ils ont tué un chat. C'est vraiment dégueulasse. Allez, touche pas ça. Ah. Touche pas, meuf. Ce vieux Jésus de l'enfer. Oh putain. C'était quoi ça? Non, c'est une voiture. Oh putain, sa mère la pute. Meuf, je me suis pissée dessus. Meuf, sur la vie de ma mère, j'ai vraiment fait du pipi dans ma gueule. Non, mais il y a la lumière là-bas. Où ça y est, la lumière? Mais non, meuf, y a pas de lumière. Ah si, je te jure, y avait de la lumière dans la cuisine. Y'a quelqu'un? Chut.
Bah, prends pas, je vais sortir les pièces 2, je vais te donner. Ok. Dégage. Toi-même, tu sais. Après, la porte est ouverte. Plus d'électricité avant cette attaque. Non, non. J'ai un autre K2 qu'on peut aller déposer après en haut. Et si ça fait du bruit, on l'entend. Pour info, tous les téléphones sont éteints. Mais là-bas, on sait pas monter, c'est la cave. D'où tu veux qu'il y ait du bruit là-bas en haut? Il n'y a pas d'étage là. Donc c'est par là. Attends, j'ai peur de voir les escaliers. Attends. J'ai pas de lampe, j'arrive pas à me protéger, c'est horrible. Oh shit. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain. Il y a un bruit. En fait, là, c'est juste plus possible. C'est soit c'est quelqu'un qui est en train de se foutre de notre gueule. Non mais il y a un truc, il y avait un bruit en bas. Fais gaffe, tombe pas du bord. Ouais, attends. Viens, attendez. Mais s'il y a quelqu'un qui est planqué dans la maison. S'il y a quelqu'un qui est vivant neuf. Quoi? Tout ça, tes vieilles chaussures. Va voir. Regarde, genre rien, comme un lit. Je vais mettre un pote genre là dans le couloir. Et comme ça, s'il marche à côté de moi, putain. Donc en fait, il dépose. Et s'il y a quelqu'un qui vient tout près. Ah oui. Tu sais pas mettre plus grand? Ah oui, on va entendre. Hein. Tu vois, s'il passe à côté ou un truc comme ça. Et alors? Il faut déjà. J'en ai un autre. Ouais, ça va. J'en ai un autre ici. Ah ouais. Oh, tu vois, putain, c'est trop bien ce truc. Tu vois? Ouais, même doucement. Il détecte quand quelqu'un marche à côté, quoi. Ok. On va les mettre les deux là, comme ça. On redescend par ici alors. Il y a un pote qui vient de sonner là. Chut. Chut. Arrêtez de bouger. Mais qu'est-ce que c'est que ça en fait ici? Mec, t'es très par là.
Je suis sûre, j'ai entendu, sûre et certaine. C'est moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un dans la maison avec nous? Genre, limite, je me sens pas bien. Tout ça me stresse trop. Voilà. Meuf, t'as rêvé, les potes, je te jure. Putain, je t'ai persuadée. Ça me vient, putain. Meuf, viens. Quoi? Viens. Qu'est-ce qu'il y a? Sur la vie de ma mère, cette porte. La porte, tu l'as pas fermée, hein? Non. On l'avait fermée ou pas, la porte? Du salon. Frère, je te jure. La porte. Non, elle est fermée, on l'a pas fermée, la porte là. Sur la vie de ma mère, on l'avait pas fermée. Ah non, là. En l'air, est-ce que je fais bien? Je te jure, sur la vie de ma mère, elle est en train de gerber. Elle va quicher, frère. Ouais. Elle est où? Ah putain, Jill, ça va, meuf? Non, c'est pas bien. Ah, kiosque! Ça va, tu veux qu'on arrête? Il faut juste que je récupère les pods en haut parce que c'est du matériel qui coûte blindé et puis après on y va parce que je suis vraiment pas bien, je me sens vraiment pas bien. Donc on monte. Il faut juste que je récupère les pods. Je sais même plus. C'était quel. C'était à droite, mais il fallait passer la cuisine, remonter. Mais meuf, ça va? Mais dis, ça va pas. C'est quoi ceci? Je vais te prendre ce qu'il y a. Tiens, prends les menottes dans ton sac. Ça va, Tim? Non. Tu veux vraiment qu'on y aille, là? Juste vraiment bizarre, quoi. C'est bon, t'as tout? Ouais, c'est bon. Oui. Tu veux que je remette le K2 dans le sac ou pas? Ouais, tu peux me le donner. Tu veux que je te le donne? Il est où le tien, meuf? On a dormi dedans aussi. Attends, oublie pas de l'éteindre. Hein. Ah, putain. Okay. Oh, putain! Elle était juste derrière nous, en fait. Jill! Moi, je rentre plus, frère. Je te jure, je ne peux plus rentrer. Meuf, sur la vie de ma mère, si c'est une vanne, moi, ça me fait pas rire et j'appelle la police.
Moi je rentre plus dans cette baraque, je te jure. J'appelle les flics, je me bats. Les vite bas de Martin Marie. Regarde, t'es souvent super dringue. Ok. Jamais de la vie elle ose rester seule dans cette baraque, c'est impossible. Ouais. Oh non, clairement. Non mais mec, coupe ta caméra s'il te plaît. C'est bon là.